tout le monde, soit pas tout le monde, ne prendra pas de chant ce soir, puisque l'entrée, l'offertoire, la communion, la sortie seront jouées par la musique. On va répéter, s'il vous plaît, le refrain du psaume. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Restons assis, on verra après. Donc, pour commencer, les musiciens, merci d'être là, bonsoir. Et vous commencez par donc cette musique d'entrée. Thank you.
chemin du Seigneur. L'appel qui nous est adressé est clair. Il s'agit de nous préparer, d'aplanir la route de nos cœurs, de rendre droit les passages tortueux où nous nous enfermons souvent, d'aplanir nos vies pour les rendre conformes au projet de Dieu. Car le Seigneur vient, serons-nous au rendez-vous? Alors enlevons de nos vies tout ce qui entrave sa venue et marchons à la lumière du Christ. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir. 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 Et que le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. Seigneur, paix et miséricorde, soutiens-nous quand nous peinons sur nos chemins et prends pitié de nous. Ne nous abandonne pas dans nos moments d'erreur, d'errance et de doute, mais prends pitié de nous. Seigneur, sagesse, pardonne nos manques de discernement pour trouver la route à suivre et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ses noms. Paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu Saint. Ils se réjouissent, c'est parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées.
et que les vallées seraient comblées. Ainsi la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage. Car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous pur et irréprochable pour le jour du Christ, comblé du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée, « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Erreur dans cet évangile. Vous souriez, et je le comprends. Erreur. Je reprends. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Iturée et de Tracolitide, Lysanias à Nabilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe. Le prophète, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Nous vivons toujours dans un monde dur et difficile. Les journaux, la télévision ne cessent de nous le rappeler. Et bien en France, chez nous. Combien de jeunes également, d'adultes, qui connaissent des situations apparemment sans issue. Nous-mêmes, nous traînons notre manteau de soucis, d'échecs, de lassitude. Avant, tant d'espérance. Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur. Regarde vers l'Orient, là où le soleil se lève. Dieu ne nous abandonne pas. Il est présent, il est agissant. Dieu est au travail. Saint-Luc nous dit qu'il y a l'empereur, il y a le gouverneur,
les princes, les grands prêtres. Ils dirigent et Dieu ne rivalise pas avec eux. Et puis, il y a Jean dans le désert, l'apparence minable, c'est lui qui prépare la route au Seigneur. Dieu aime ce qui est petit, humble, caché. Et c'est bien là que Dieu est présent et agissant. Et si Dieu est à l'œuvre, si l'amour, la paix, la justice sont en train de façonner l'homme nouveau, le monde, notre monde, ne peut pas se terminer dans l'échec, dans l'impasse. Tout homme verra le salut de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu lointain. Et il me demande de participer à ce monde nouveau. Dieu ne fait pas tout et tout seul. Notre Dieu fait alliance. Il nous confie la responsabilité de préparer les chemins, de combler les ravins, d'abaisser les collines, de redresser les passages tortueux. Quel travail nous est demandé pour faire reculer cette robe de tristesse? Il y a sûrement des montagnes d'égoïsme, d'orgueil à abaisser. Il y a des murs de haine, de division à démolir. Il y a des ravins d'injustice à combler. Il y a des routes de mensonges à redresser. Et ce travail-là, Dieu ne le fera pas sans nous. Et il veut le faire avec tous les Jean-Baptistes que nous sommes, qui acceptent de préparer sa venue. Alors, pour être Jean-Baptiste, il n'est pas nécessaire de porter un gilet jaune. Nous avons déjà le gilet blanc de notre baptême. Et c'est lui qu'il nous faut mettre en valeur, avec respect, avec attention, avec bienveillance. Soyons les gilets blancs de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Ensemble, à l'Église, nous affirmons notre foi. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la louange et la prière, c'est en confiance que nous prions notre Dieu pour toute la famille humaine. Donne-lui l'amour dont elle a besoin pour remplir sa tâche. Nous te prions pour les hommes et les femmes qui gardent l'espérance et pour les personnes qui cherchent leur place dans la société et leur voie dans la vie. Nous te prions pour ceux qui se dévouent auprès des souffrants, pour les soignants, les pompiers, les militaires, qui passent leur vie à soulager et à soutenir leurs prochains. Qui se rassemblent dimanche après dimanche au nom de leur foi et pour notre assemblée réunie aujourd'hui avec les musiciens pour célébrer Sainte Cécile. Dieu notre Père, tu prends soin des hommes que tu aimes. Écoute la prière que nous adressons ce soir. Nous te demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Thank you.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La parole de Dieu et le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos bonnes offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites, bien par ta grâce à notre secours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi les anges et tous les saints nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de vous. Sang du Christ versé pour nous. Avec le pape François, avec notre évêque Nicolas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi et des défunts de notre paroisse, de nos familles, les intentions particulières de cette messe. Marcel Dubroca, Jean-Jacques Dumas, Nadie Lafito, André Drouillet, Roger Ludès, Marie Lapeyre, la famille de Bèze. Les défunts des familles Dumas et d'Abrat. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, fêtée aujourd'hui dans le monde entier, sous le titre d'Immaculée Conception, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, ne ayons pas à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, pour cette musique aussi, nous te prions encore, Seigneur, apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. Oui, aujourd'hui c'est le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception. C'est sous ce vocable que Marie est apparue à Lourdes, à Bernadette. Je vous salue, Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours. Saint Joseph, priez les annonces, bon, vous avez sur la feuille simplement donc la répétition pour la messe de Noël à Saint-Gaston, donc c'est samedi à 10h au foyer. Voilà. Je le répète, il y a eu des erreurs dans les feuilles. Les deux messes de Noël seront à 19h30, les deux, à Saint-Gaston et à Agenais. Voilà, le ou les morceaux de sortie pour la musique. Mais oui, asseyez-vous. Thank you.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux. D'abord, on a été un peu surpris de voir une caméra. On ne s'attendait pas à être filmé ce soir. Voilà. Tout d'abord, je tiens à remercier M. Duré et Jean-Michel Dupont. Il avait la farce de nous avoir accueillis, ainsi qu'au comité paroissial, de nous avoir reçus dans cette église. Avant de commencer, plus loin, avancer, permettez-moi d'avoir une pensée pour un de nos anciens musiciens, Robert Sisteron, le papa d'Evelyne, de Daniel et Dominique, une grande famille de musiciens. Robert a été hospitalisé hier. Voilà. Bon, Robert, on passe à vous. Donc, avant que ne se termine cette année musicale 2018, avec les derniers morceaux, je veux vous dire ma fierté, réellement, de présider un ensemble aussi large de musiciens, au caractère bien différent et bien trempé parfois, mais fierté pour tous ces musiciens, tous bénévoles, et en particulier pour nos chefs, que vous voyez ce soir œuvrer les uns après les autres, et qui se relaient également toute l'année bénévolement, que ce soit à la direction de l'harmonie junior, à la banda, la batterie fanfare, ou plus amplement de l'harmonie. 2018 a été une année faste pour l'Union musicale samaritoise. Plus de 60 jours de musique. Et pendant que la batterie fanfare va s'installer complètement, je vais vous en donner quelques détails importants, je crois, qui vont vous rappeler l'année que vous avez passée en notre compagnie. Notamment avec un concert avec le groupe Unisson qui a été unanimement apprécié. Ensuite, vous avez pu découvrir tout le talent de l'harmonie, notamment dans les défilés de Pentecôte sur le thème du western. Nous avons participé à de grandes animations dans de nombreuses villes et villages, presque une trentaine visitées tous les ans, avec la banda ou l'harmonie. Et puis, réelle satisfaction, c'est tombé hier. Vous savez notre attachement à l'animation des courses landaises. L'Union des clubs Torrent Paul Ricard du Sud-Ouest s'est réunie dernièrement et nous a adressé un coup de cœur. Cela vient renforcer notre projet qui est de faire vivre la musique dans ce coin du Cursa et surtout permettre à de nombreux jeunes de pouvoir apprendre la musique. Je vous les présenterai une fois la prestation de la batterie fanfare terminée. Ce que je voulais vous dire également à vous tous, c'est l'importance de votre soutien et surtout pour les dons que vous nous apportez pour faire vivre notre projet. Vous savez que bientôt, nous allons passer vous voir, vous proposer notre nouveau calendrier 2019. Sachez que c'est une aide très très importante pour toute l'association et surtout pour faire vivre notre école de musique et permettre toujours à des jeunes de pouvoir y accéder à des tarifs qu'on va essayer toujours d'améliorer. Maintenant, je crois que la batterie fanfare est prête. Donc, avant de terminer, je présenterai tout à l'heure les jeunes, mais je vous invite à tous et à tous, au verre de l'amitié, qui sera servi après le concert comme une tradition dans la salle du jubilaire. Je voulais vous signaler également, je suis heureux de leur présence, de notre toujours ancien et membre fondateur, Jacques Lafitte, qui avait imaginé l'Union musicale samaritoise dans cette structure, banda, école de musique, harmonie, batterie, fanfare, tous ensemble. Eh bien, Jackie, dans la prochaine caserienne, je lui annonce qu'il va sortir à la mi-décembre, qui sera en vente chez Sylvie Boulet, un grand article lui sera dédié. Donc, en même
même temps, il y aura quelques articles sur l'harmonie de Saint-Mandé, notamment lors de l'animation du championnat de France hier soir. Alors, vous pourrez acheter la casserie chez Sylvie Boulet. Voilà, merci à Jacqueline d'être toujours là. Je sais qu'il nous fera des commentaires de notre prestation. Également, il s'est caché, peut-être que vous l'avez aperçu, c'est notre ancien président, Yves Picard, qui est toujours là. Sans doute les commentaires plus tard sur notre prestation musicale. Donc je vous laisse en compagnie de la Patrie Fanfare. Après, nous aurons un mini concert. Je vous remercie de m'avoir écouté.
vous avez dit, je vais en profiter pendant que tout le monde se reste, pour présenter les jeunes miracles comme une tradition pour la Sainte-Cécile. Ces jeunes qui rentrent cette année pour la Sainte-Cécile, je vais commencer par Emma la Passe Dieu, à la flûte, qui a été soliste dans le premier morceau. Ensuite, à la trompette, un jeune, pardon, Emma vient de Morgans. Parce que des personnes m'ont demandé si tous ces gens étaient de Samadé. Bien sûr que non. Jackie avait voulu l'école de musique intercommunale. Vous voyez qu'il a eu raison. Il était en avance en 1963 sur tout ce qui allait arriver maintenant, puisque nous sommes dans une intercommunalité. Voilà, l'école de musique de Samadé est intercommunale. Et Emma nous vient de Morgans. Ensuite, à la trompette, Valentin Dartos. Valentin Dartos, qui vient de d'Aubagnan. Son papa, maire d'Aubagnan, mais sa maman est musicienne à Boisy. Vous voyez comme quoi on partage bien des choses à travers la musique. Ensuite, nous avons Simon Casaubier, de Montségur, une grande famille de musiciens au trombone. C'est au niveau des percussions, puisqu'elle était rentrée l'année dernière au niveau de la batterie Mamba. Cette année, elle a gagné le droit de pouvoir être percussionniste au niveau de l'harmonie. C'est Carla Lespio. Et enfin, il y en a un qui attend son temps de rentrer à l'harmonie, mais qui n'est rentré cette année qu'à la batterie Mamba. C'est Thomas Villon. Alors Thomas, où est-ce que tu es? Tu es ici. Futur percussionniste, si Carla venait de Bax, et bien Thomas vient de Jean. Voilà. Bon. Et on leur souhaite une longue vie dans l'Union musicale de Samadétoise à tous ces jeunes. Et je vous laisse en compagnie de nos chefs pour nos quatre derniers morceaux. Merci de votre attention. Thank you.
vos applaudissements nombreux vous ont permis de gagner peut-être un morceau avec la banda cette fois-ci pour finir vraiment la banda dans les mains. Thank you.
salle Buchmiller, sous le foyer, pour le verre de l'amitié. À tout de suite.